cette salle qui est quand même très grande. Je m'autorise une courte introduction pour mettre un petit peu de contexte et présenter le débat d'aujourd'hui, qui est organisé donc, par l'association Le Mouton Numérique, c'est marqué derrière. Et pour commencer d'emblée, on voulait, au nom du Mouton, évidemment, remercier très chaleureusement l'Institut du Monde Arabe qui nous fait l'honneur d'héberger ce débat dans ce bel endroit qui est tout à fait approprié pour le sujet qui nous concerne. J'en profite aussi pour remercier nos autres partenaires, notamment partenaires médias, Saphir News et la revue Socialterre. Et enfin, et surtout, remercier la Monade Sagaz, qui est l'agence de production qui filme le débat, que vous retrouverez donc sur le site de France Culture, qui est également partenaire. Alors, je m'autorise aussi un tout petit laïus sur l'association le Mouton Numérique, qui compte aujourd'hui 50 adhérents et qui existe depuis début 2017, qui s'est donné pour ambition d'éclairer la société qui innove, d'éclairer nos choix technologiques et les impacts qui sont, disons, suscités par le tout numérique sur le monde d'aujourd'hui, avec évidemment un regard critique pour repenser un petit peu la souvent très très mal nommée transformation digitale. Nous organisons des événements publics, culturels, littéraires, des débats autour des grands enjeux qui sont concernés ou portés par le numérique. Cette année 2017 a été l'occasion, à ce titre, de parler d'éducation, de transport, d'écologie, de créativité à l'ère et à l'heure du numérique. Et en fin de cycle, pour clôturer cette année, on s'est dit qu'il fallait décentrer un petit peu notre regard, très ethnocentré justement quand on parle numérique et dans le monde technologique auquel on appartient, où on a souvent tendance à allier la technologie à des problématiques occidentales, voire européennes et juste américaines, ce qui a évidemment raté une grosse partie de la question. Dans tous ces débats, on a aussi souvent tendance à confondre progrès avec innovation, de prêter à la technologie justement un caractère un petit peu sacré, de lui attribuer toutes les évolutions bénéfiques qui peuvent arriver dans les sociétés, sans forcément vouloir voir la complexité qu'il y a derrière l'innovation et éventuellement les valeurs qui sont transportées à travers elle. Alors le débat d'aujourd'hui, justement, c'est l'occasion de renouer un petit peu avec cette complexité. Vous savez, ça fait quasiment jour pour jour 7 ans qu'on parle du printemps arabe, en fait. C'était le 17 décembre, donc en fait demain. Donc des événements qui ont modifié toute la géopolitique au Moyen-Orient. Et aujourd'hui, on a un peu plus de recul et on peut désormais aborder le sujet différemment et éviter de dire de tomber dans toute cette conversation parfois un petit peu imprécise qui a été faite autour du rôle du numérique et du rôle des réseaux sociaux dans les révolutions arabes. À tel point qu'on a entendu dire qu'il s'agissait d'une révolution 2.0, d'une révolution Facebook. Il ne s'agit pas non plus ici d'affirmer que les réseaux sociaux n'ont pas eu de rôle, ni le numérique, dans ce qui s'est passé lors des événements, mais bien de rappeler que la révolte sociale les précédait et que rappeler également que les outils technologiques sont rarement neutres et que derrière leur promotion, ce sont souvent des luttes de pouvoir qui se sont jouées et qui se jouent encore aujourd'hui. Écoutez, alors à cette occasion, et pour en parler aujourd'hui, on a l'immense plaisir de te recevoir. Alors, je vais commencer par vous, Sami Ben Garbia. En un mot, cyberactiviste, vous avez été réfugié politique aux Pays-Bas pendant 13 ans, revenu en Tunisie en 2011, après la chute du régime, et vous êtes le fondateur, entre autres, on en reparlera également, du bloc d'opposition tunisien participatif Nawat, qui a reçu de nombreuses récompenses locales et internationales pour les engagements pris et la défense de la liberté. Pour vous donner la réplique, nous avons aussi l'immense plaisir de recevoir Yves González Quijano. Vous êtes maître de conférences en littérature arabe à l'Université de Lyon 2, chercheur à l'Institut français du Proche-Orient. Il est l'auteur de l'ouvrage « Arabité numérique, le printemps du web arabe ». Et j'ose le dire, un des premiers à avoir eu un regard lucide, distancié, sur le rôle des réseaux sociaux lors des événements. Pour animer cet échange, je vous présente également ma cofondatrice Yael Benayoun, présidente du Mouton Numérique, qui va animer cette conversation pendant une heure environ, à la suite de quoi vous aurez la salle pour poser vos questions. Et je n'ai plus qu'à vous souhaiter un très bon débat. Merci.
Merci Irénée, merci à tous d'être là. Alors peut-être pour commencer cet échange, je voulais quand même, je trouve ça important de rappeler qu'effectivement on parle des révolutions arabes, mais ça a touché environ une dizaine de pays différents au Moyen et Proche-Orient, et que ça a été bien sûr dans des contextes très différents, ça a eu des modalités différentes, ça a eu des conséquences aussi différentes. Donc peut-être rapidement rappeler qu'en Tunisie, en Égypte et au Yémen, ça a causé la démission des chefs d'État. Au Maroc, il y a eu un changement de constitution, en Jordanie, un changement de gouvernement. En Libye, au Yémen et en Syrie, ça a été le début de guerre civile meurtrière. Et au Bahreïn, il y a eu une intervention militaire des pays du Golfe qui ont étouffé tout de suite les révoltes. Et sans oublier que les élections démocratiques qui ont suivi ces révolutions, mouvements de contestation, ont été remportées par les partis islamistes en Tunisie, au Maroc et en Égypte. Alors, peut-être une première question pour justement lancer la discussion serait peut-être d'essayer d'avoir votre avis ou votre point de vue sur pourquoi est-ce que la presse internationale a parlé de tous ces mouvements finalement au singulier. Donc, comme on l'a dit tout à l'heure, Irénée, on a parlé d'une révolution, donc soit Twitter, d'ailleurs, ou 2.0, en mettant en avant le côté numérique et en mettant un peu en exergue la figure du jeune manifestant connecté, cultivé, qui aurait été un peu le fer de lance de tout ça, comme s'il y avait une unité, une cohérence. Donc, voilà. Peut-être Yves, si tu veux commencer. Samy, il a l'air de rester sur une prudence réserve, on va bien voir. Alors bon, là, on va pas faire le procès du printemps, je veux dire, l'expression est journalistique et sans aucun intérêt. C'est pas grave, je crois que le rapport qui est fait avec les événements passés européens, c'est pas une très bonne idée de voir les choses comme ça. Moi, ce qui m'avait intéressé les noms qui ont été donnés à ce qui s'est passé à ce moment-là, en général, moi je parle maintenant d'événements dans le monde arabe, de l'année 2011, etc. Donc ce qui, moi, m'avait attiré mon attention, c'était le fait qu'un adjectif faisait retour dans l'actualité, un adjectif qu'on n'utilisait pas beaucoup, qui était celui d'arabe. Je suis un peu plus âgé que vous, quand moi j'ai commencé à m'intéresser à cette région du monde, on parlait de façon tout à fait naturelle du monde arabe. Ça paraissait évident, il y avait un certain nombre de facteurs qui faisaient que ces régions étaient, à tort ou à raison, mais enfin en tous les cas, mis sous cette étiquette. Et puis je voyais les années passer, j'ai travaillé à l'université, et je voyais de plus en plus de centres d'études islamiques se fonder, de recherches sur le monde musulman, ou les mondes musulmans, etc. Et l'étiquette arabe tombait dans l'oubli, voire même faisait sourire. Moi, c'est toujours une piste de recherche sur laquelle je continuais à travailler. Et pour moi, ce qui a été vraiment intéressant justement à cette période-là, c'est qu'on a pu se rendre compte, et je crois que spontanément les gens ont repris cette étiquette, on a vu que, de fait, des communications, alors j'utilise le terme au sens vraiment très très large, hein, les gens se reconnaissaient, les populations, les acteurs politiques, les gens qui descendaient dans la rue se reconnaissaient malgré tout, avec toutes les différences qui sont réelles. Il ne s'agit pas de faire semblant qu'il y a une unité arabe et que tout le monde vit sur le même rythme et sur les mêmes problématiques et avec les mêmes enjeux dans tous ces pays-là. Mais en même temps, on voyait bien, on a bien vu, me semble-t-il, en tous les cas dans la partie la plus dynamique de ces événements, que les choses communiquaient vraiment. À tel point que dans les premières, tu me diras si je me trompe, Samy, hein, mais dans les premières semaines des soulèvements véritablement en Égypte, ça a beaucoup communiqué entre les activistes tunisiens et les activistes égyptiens autour de partage d'expériences, autour de partage de techniques, de toutes sortes de choses. Alors, pourquoi maintenant, c'est un autre débat, on va pas y répondre maintenant, mais pour moi, l'aspect vraiment intéressant, c'est ça, c'est que cette région, effectivement, se reconnaissent dans cet adjectif que, justement, on avait un peu tendance, ou on a un peu tendance à passer sous silence, à mettre sous le tapis en disant, là, c'est un peu compliqué, et vraiment, dans cette région-là, la seule problématique qui nous intéresse, je parle pour les gens comme moi qui regardent les choses depuis le nord de la Méditerranée, la seule problématique qui nous intéresse, c'est l'islam. Samy ? Oui, je suis d'accord avec ce que disait Yves sur...
l'absence d'alternative pour qualifier toute une région qui, globalement, a un facteur commun linguistique qui est l'arabe, outre le facteur religieux, mis à part quelques minorités chrétiennes ou juives ou autres dans la région. Et pour anecdote, quand on organisait la conférence des blogueurs arabes entre 2006 et 2011, avant la révolution, et qu'on préparait la création d'un réseau de cyberactivistes arabes, on s'est posé la même question. Est-ce que l'arabité était le socle qui englobait tous ces activistes? Il y avait un débat houleux. Il y avait des activistes qui ne s'identifient pas avec l'arabité. Il y avait des berbères, il y avait certains qui ont des origines arméniennes ou kurdes ou autres. Donc, on s'est mis d'accord pour utiliser cet adjectif, car il n'y avait pas vraiment d'alternative. Utiliser le Moyen-Orient, pour nous, était, et pour moi aussi, était un concept occidental, colonial, voire. La Méditerranée pourrait être méditerranéen, un adjectif peut-être alternatif, plus cohérent, parce que ça parle d'une région géographique plus qu'un concept qui échappe à toute tentative de définition rationnelle et scientifique. Mais voilà, mais aussi, ça peut s'expliquer aussi par une paresse intellectuelle ou surtout journalistique, d'aborder la complexité d'une région très complexe par des facteurs linguistiques, culturels, religieux, ethniques, géopolitiques, géostratégiques, etc. Voire même que l'intérêt porté au début de la révolution en Tunisie, on a vu les médias occidentaux s'intéresser à la révolution que 2 semaines après les événements. Les journalistes ou les journaux et médias américains ont commencé à couvrir ce qui se passe en Tunisie 3 semaines après, presque quelques jours ou une semaine avant la chute de Ben Ali, pour dire que l'intérêt occidental par rapport à cette région, il est, et on le sait, comme disait Gilbert Achrar dans l'exception arabe, il est motivé par cette malédiction du pétrole. L'intérêt, il est toujours porté à des intérêts commerciaux et coloniaux. Le pétrole, la stabilité et la sécurité d'Israël et des alliés de l'impérialisme américain. Vous m'entendez? Oui, ça. Et justement, quand tu parlais de la conférence des blogueurs arabes, tu dis que ça s'était arrêté en 2011. Est-ce que tu peux nous dire peut-être pourquoi? Non, ça ne s'est pas arrêté en 2011. La dernière, je pense, c'était en 2013 ou 2014, en Jordanie. Mais tout a changé. Ce n'est pas les mêmes activistes qui étaient avant la révolution. La plupart des activistes qui formaient ce réseau étaient ou bien arrêtés, ou bien exilés, ou bien pris par les événements de leur pays respectif. Donc ce réseau, il a petit à petit disparu. Les Tunisiens ne pouvaient plus soutenir ce qui se passe en Syrie, en Yémen ou en Libye, parce qu'ils étaient pris par ce qui se passe en Tunisie. Et ça se passe pour les Égyptiens et pour les autres aussi. Est-ce que ces cyberactivistes étaient vraiment cette jeunesse qu'on a mis en avant, ou c'était d'autres profils, et la jeunesse est venue par les réseaux sociaux après? Oui, généralement parlant, la jeunesse, la classe d'âge, du moins de ceux que je connaissais, ça variait entre 20 ans et 35 ans, 40 ans max. Bon, si on peut dire de ceux-là qui sont jeunes, ok. Mais c'est une jeunesse par le dynamisme, par la croyance aux nouvelles formes d'information et moyens de dissémination de l'information et d'accéder à l'information qui est généralement censurée dans plusieurs pays de la région. Ils sont jeunes par le fait de croire au changement à travers les nouvelles technologies.
contrairement à une génération précédente qui utilisait peut-être les cassettes ou autres formes de communication, comme on a vu lors de la révolution iranienne. Mais ça reste un outil. Bon, là aussi, il y a une évolution. Tout à l'heure, Samy parlait de la conférence des blogueurs. Mais c'est vrai que la forme blog elle-même est presque un peu has-been aujourd'hui. Les plateformes ont beaucoup changé. Il y a eu Facebook, naturellement. Aujourd'hui, je pense que l'outil... Alors, ça dépend des pays. Tous les pays n'ont pas exactement le même profil au niveau des utilisations. Mais Twitter est probablement davantage utilisé aujourd'hui par l'équivalent actuel de la génération qui est apparue sur la scène arabe entre 2005 et 2011, hein, même si bien sûr les choses sont beaucoup plus anciennes que ça dans certains pays, en Tunisie en particulier. Donc l'outil a changé. Les plateformes, les outils numériques que les générations actuelles qui arrivent utilisent sont un petit peu différents. Ce qui est différent aussi, c'est que les premières générations, on parle de phénomènes qui ne sont pas très très anciens, hein, disons la numérisation du monde. On va dire que c'est au tournant du millénaire, dans le monde arabe un petit peu après, on voit les taux d'utilisation croître de façon importante un petit peu après l'an 2000, quoi. 2005, disons, est un tournant, un palier assez important. Mais les premières générations, ceux qui sont apparues au tout début des années 2000 et suivantes, c'était effectivement des gens qui avaient des profils peut-être un petit peu de l'ordre de ce que tu disais, de jeunes urbains, généralement plus éduqués que la moyenne, maîtrisant aussi plusieurs langues, parce que historiquement, pour les gens qui ont utilisé le numérique dans le monde arabe, dans la préhistoire presque du numérique, à la fin du XXe siècle, ça passait beaucoup par l'anglais, les outils en arabe étaient difficiles d'accès, compliqués à utiliser, il y avait toutes sortes, pas d'obstacles, mais disons de difficultés qui rendaient les choses un peu plus compliquées. Les coûts étaient tels qu'il fallait un minimum de niveau de vie pour pouvoir avoir accès à ces outils et avoir accès aussi aux endroits où il y avait des bonnes connexions et toutes ces choses-là. Bon, ce qui fait que le public aujourd'hui est aussi socialement très très différent. Il y a aujourd'hui les mêmes taux quasiment d'utilisateurs dans le monde arabe qu'ici, un peu moins, mais je veux dire, on va pas chipoter sur des virgules ou sur des pourcentages à 1 ou 2%. Donc les utilisateurs d'aujourd'hui sont sociologiquement différents. Ils sont, et les classes, compte tenu de la démographie du monde arabe, les classes plus jeunes sont sans cesse plus grandes aussi. Donc cette génération qui a un petit peu mené le combat des mobilisations dans la rue en utilisant l'outil numérique, parce que je suis d'accord avec ce que disait Samy, c'est un outil, n'allons pas plus loin, ces mêmes utilisateurs ont des profils qui ont pas mal évolué. Alors ils ont évolué aussi, dernière raison que Samy a évoquée, il faut quand même y insister, ne serait-ce que pour les saluer et pour soutenir leur combat. Il y en a encore un certain nombre qui sont en prison et qui sont donc pas actifs tout simplement parce qu'ils n'ont pas les moyens de l'être. Alors je sais, tu parleras de la situation de la Tunisie. En Égypte, c'est quand même dramatique. Il y en a un grand nombre qui sont sous les verrous toujours. Bahreïn, n'en parlons pas. La Syrie, n'en parlons pas non plus. Il y a quand même toute une génération qui a payé très cher son engagement de ce point de vue-là. Et tu rappelais justement que Internet, c'était quand même un phénomène relativement récent. Est-ce que vous pensez que finalement, ça a été un peu l'avènement d'Internet qui a donné plein d'espoir ou d'attentes peut-être spécifiques à cette génération qui pouvait y avoir accès? Ou est-ce que finalement, Internet, ça a juste été une sorte, je veux dire, d'extension du domaine de la lutte qui passe de la vie réelle à la vie virtuelle pour justement contourner la censure, avoir des moyens d'information ou des modes d'organisation plus efficaces? Peut-être avoir un vrai débat avec Samy là-dessus. D'abord parce que lui, il est au four. Moi, je suis un observateur, je suis pas un acteur. Je suis un observateur engagé, sans doute, par certains aspects, mais bon, quand même. Je ne suis pas à la place des copains qui sont en Tunisie, en Syrie ou ailleurs. Numéro un, c'est important de le dire, je crois, quand même. J'étais tellement fixé sur cette chose que je voulais dire, j'ai oublié le... En gros, est-ce que Internet a apporté des valeurs qui a pu... Alors, il me semble très important de dire que... moi, je vais dire deux choses rapidement et Samy complétera.
Les luttes internet, c'est pas des luttes internet, c'est des luttes de pouvoir, des luttes de répartition des richesses, des luttes de changement politique, des luttes qui existent comme dans tous les pays du monde. Et l'outil internet est venu effectivement introduire un certain nombre de variables, de facteurs différents qui ont permis à ces luttes de... Mais c'est pas l'internet qui fait les luttes, c'est le contraire. Il y a des enjeux, il y a des besoins, il y a des demandes de la population, il y a un manque de démocratie, il y a un manque éventuellement de vie politique, de courroies de transmission dans les sociétés, et éventuellement le numérique intervient par rapport à ces objets. Je vais pas parler du cas tunisien devant Samy, mais dans le cas égyptien, c'est clair. On n'en parlait pas parce qu'on n'avait pas envie d'en parler, mais il y a toujours eu des manifestations, des grèves, des revendications salariales en Égypte, parce que en Égypte, ça restait davantage possible que par rapport à un pays comme la Syrie, par exemple. Donc, ça, c'est la première chose. La deuxième chose que je vais déjà m'arrêter à ça. Je vais voir comment tu réagis par rapport. Si, je le dis quand même très rapidement, et Samy rebondira sur les deux. Mon impression, moi, avec le recul du temps, c'est que entre 2005, 2007, 2010, 2012, il y a eu un créneau d'opportunité. Il y a eu effectivement une conjoncture historique un petit peu particulière où le développement assez rapide d'Internet, sur des sociétés se développant elles-mêmes rapidement, mais où les services policiers, les services de contrôle n'étaient pas aussi, disons, agiles qu'ils le sont devenus, travaillaient sur des paramètres un petit peu anciens et un petit peu déconnectés des évolutions technologiques. Effectivement, là, il y a eu, comment dire, quelque chose de spécifique à la scène numérique qui a produit effectivement un contexte un petit peu particulier dans lequel des actions ont été plus possibles qu'ailleurs, sachant que ces actions, et je crois que Samy et moi on est d'accord là-dessus, elles ne sont pas non plus tombées du ciel. Cette ouverture technologique, cette conjoncture un petit peu particulière d'un développement assez exponentiel du numérique dans cette région du monde, couplée à des transformations sociales et des transformations démographiques, il y a des gens dans le monde qui s'en étaient rendus compte et qui se sont dit, il y a peut-être pour nous quelque chose d'intéressant à exploiter à ce niveau-là. Oui, tout à fait. Pour moi, le facteur Internet ou numérique n'était qu'un facteur d'accélération qui a facilité, accéléré une transition ou un changement ou un soulèvement ou une révolution selon les termes qu'on veut utiliser. D'ailleurs, dans le cas tunisien et égyptien et ailleurs, je pense que la politisation de l'Internet, dans le sens que l'utilisation, elle est purement dans un but politique de changement de régime ou de forme de régime. L'Internet, il était dominé par les sites de l'opposition, c'est-à-dire les sites des partis politiques opposés au régime de Ben Ali ou de Moubarak ou de Bachar al-Assad, etc. C'était les premiers sites qui offraient un espace de dialogue, des forums dans le temps, entre 2002 et 2003, avant la naissance des blogs. Il y avait des forums où tout le monde discutait, débattait des tactiques, des stratégies, des visions, comment lutter contre la dictature, comment défendre les droits de l'homme, etc. Et les autres sphères plus ou moins apolitiques qui devenaient de plus en plus grandes après la naissance de Blogspot, de WordPress, etc., des plateformes de blogging individuel, c'était des sphères déconnectées de la sphère de l'Internet politisé. Et il y avait des liens ad hoc, accidentels, liés à des événements importants comme le sommet mondial pour la société de l'information en Tunisie en 2005, le SMSI, ou la grève du 18 octobre 2005 en Tunisie, ou la grève d'Al-Mahalla en 2006 en Égypte, ou les manifestations de Kifeya et puis d'avril 6 en Égypte. Donc il y a des événements, il y a des moments historiques qui ont su rassembler et les politiques et les apolitiques pour contester
une politique ou une décision ou un système de gouvernance. En Tunisie, par exemple, en 2008, c'était le soulèvement de la région minière de Gafsa, de Om Laraïs et de Rdaïf, qui a su rassembler des blogueurs qui ne parlaient jamais de politique, qui n'affichaient pas leur opposition au régime de Ben Ali, qui étaient opposés, bien sûr, au système, parce qu'ils souffraient de la censure, parce qu'ils n'accédaient pas à une information libre, parce qu'ils ne pouvaient pas s'exprimer d'une façon libre. Mais c'était pour la première fois qu'on voyait sur des dizaines de blocs tunisiens, des bandes qui soutenaient le soulèvement de la région minière en 2008. Et bien sûr, l'explosion, c'était en 2010, parce qu'on a dépassé ces blogueurs, ceux qui sont initiés à l'utilisation de proxys et de techniques de contournement de censure en Tunisie ou ailleurs, pour voir que la majorité des utilisateurs de Facebook petit à petit, ils sont solidaires de ce qui se passe en Tunisie, dans les régions révoltées, c'est-à-dire à Sidi Bouzid, à Gasserine, à Tel, les régions où le soulèvement en Tunisie a commencé. Et c'est le même effet en Égypte. Donc l'Internet politisé, si on veut donner un taux ou mesurer l'Internet politisé, c'est peut-être autour de 2 à 3% des utilisateurs d'Internet dans le monde arabe, qui étaient vraiment conscients par le fait qu'ils utilisaient un outil dans un objectif de changement politique. Pour les autres, ils ont rejoigni cette vague petit à petit. Donc, pour parler d'une révolution Facebook ou d'une révolution Twitter ou tout autre qualificatif que je trouve absurde, c'est facile en fait de donner cette étiquette et ça sert les intérêts de Silicon Valley. Et on a vu comment les fondateurs de Twitter ou de Facebook ont capitalisé sur ce que peut fournir une plateforme technologique comme un moyen de changement sociétal ou politique ou géostratégique. Et ils le font d'ailleurs toujours. Mais c'est ridicule. On ne peut pas faire une révolution en utilisant un smartphone ou un blog. C'est une lutte de longue haleine. L'opposition tunisienne ou égyptienne, elle est ancienne de peut-être plus d'un demi-siècle. C'est une tradition de lutte de la société civile, des organisations de défense des droits de l'homme. Et bien qu'on ait des critiques par rapport aux partis politiques, bien sûr, on reste toujours critique, mais c'est un cumul de luttes qui a fait que l'Internet soit l'outil à travers duquel on a facilité, on a accéléré un processus de changement. Avec le temps, on a même maintenant, avec le recul historique, on perçoit peut-être un peu plus les choses. Bon, on est toujours sur des temporalités très, très courtes par rapport à un regard d'historien, mais on a même quand même des contre-exemples. On voit bien, par exemple, que dans le cas tunisien, dans le cas syrien, je veux dire, paradoxalement, avec le déclenchement des premiers soulèvements fin février, début mars en 2011 en Syrie, c'est le moment où le régime a décidé de libérer Facebook, de libérer Twitter, qui était à l'époque, on pouvait l'utiliser, c'était pas extrêmement compliqué, mais disons que c'était pas officiellement autorisé. Bachar avait déjà un compte Facebook, je crois, à l'époque. Mais bon, le gouvernement syrien qui n'avait aucune envie de faire un cadeau aux opposants, c'est clair, il a libéré l'utilisation des réseaux sociaux parce qu'il comptait bien suivre un petit peu davantage ce que faisait l'opposition et utiliser les techniques de surveillance électronique en laissant justement une marge entre guillemets, de liberté ou disons de manœuvre pour ses opposants. Et puis, toujours dans le cas syrien, on voit bien aussi que dans le cas propre de la Syrie, où toute vie de parti, toute vie vie politique de revendications relativement traditionnelles, qu'elles soient syndicales, qu'elles soient ouvrières, qu'elles soient toutes sortes de même régionales, etc., n'existaient pas, où il n'y avait pas de courroie de transmission, la présence de cet outil, y compris lorsqu'il a été donné par des intervenants étrangers, sympathisants ou
semi-acteur dans ce qui se passait en Syrie lorsqu'il a été donné aux opposants. Ça n'a pas suffi pour transformer la scène syrienne. C'est bien la preuve que c'est pas parce qu'Internet est là qu'on va tout d'un coup se trouver dans une situation qui modifie dramatiquement les choses. Et d'ailleurs, je crois que c'est un exemple que tu donnes dans ton livre où tu dis que paradoxalement, c'est au moment où on va couper Internet que justement les gens vont sortir dans la rue. Et c'est sûr qu'on est un peu obligé, connaissant Bachar el-Assad, de s'interroger sur les raisons qui le poussent à faire ça au début du mois de mars 2011. Il y a des sociétés françaises qui doivent avoir la réponse, à mon avis, celles qu'ont fourni les logiciels de surveillance. Mais on ne va pas les dénoncer ici. Bon, voilà, c'est comme ça. Et du coup, Samy, est-ce que tu peux revenir sur la création de Nawat, donc le blog d'opposition que tu as créé quand tu étais justement en exil en Hollande? Et est-ce que tu peux peut-être nous dire comment t'es venue l'idée de créer ça alors que du coup tu faisais partie des diasporas et que tu n'étais pas en Tunisie? Et comment est-ce que tu as réussi à faire le lien justement avec les Tunisiens sur place et... Bon, c'était un besoin, disons, un besoin de créer une plateforme purement tunisienne, parce qu'il y avait d'autres sites. Il y avait Tunisine, qui s'est arrêtée en 2013, après la libération de Zouhair Yahyaoui, qui était arrêté, emprisonné, à cause de la création du site qui est le site d'opposition, ou le site qui rassemblait les cyberdissidents tunisiens. Et son décès, je pense 18 mois après sa libération. Donc il y avait un besoin de créer un site et d'offrir une plateforme pour les Tunisiens, principalement de la diaspora, et les Tunisiens qui pouvaient accéder au site en utilisant des proxys et autres moyens de contournement de la censure. Donc c'était un besoin pour nous de s'écarter un peu de l'opposition. On parlait déjà en 2002 et en 2003 sur l'Internet tunisien dissident de la troisième opposition. On considérait qu'il y avait deux oppositions, l'une officielle, reconnue par le régime Ben Ali, qui faisait le décor, qui donnait un décor démocratique à un régime autoritaire. Il y avait une vraie opposition patriote radicale ou pas tellement radicale qui s'activait en Tunisie ou en exil, et on était critique par rapport aux deux. On croyait que les méthodes, les techniques, les stratégies, les tactiques d'opposition sont très archaïques, les discours sont incapables de toucher le Tunisien lambda et sont même incapables d'attirer l'attention de la jeunesse, qu'on considérait un facteur essentiel de tout changement politique. Et donc on voulait offrir un espace à cette troisième opposition pour réfléchir et penser des moyens de lutte contre la dictature de Ben Ali. Donc c'est dans ce cadre que Nawat a vu le jour en 2004 et a continué à être active jusqu'à aujourd'hui. Et du coup, Yves, dans ton livre, à un moment, tu parles justement du bruit qu'il y a sur les réseaux sociaux et au milieu. Du coup, ça va être une question en fait pour tous les deux. Comment est-ce que on peut faire justement pour, donc par exemple, qu'un média comme Nawat arrive à se faire voir parmi la multitude de contenus et puisse vraiment informer et qu'il puisse y avoir vraiment cette différence qui puisse se faire entre la désinformation et l'information. Alors avant d'aborder la question du bruit, j'aurais voulu prolonger un peu ce que disait Samy, c'est-à-dire que à la fois dans ce qu'il vient de dire et ce qu'il disait un petit peu avant, en disant tout à l'heure, oui, l'Internet politique, c'est quoi? C'est 3, 4, 5% des flux, si on veut parler en termes de flux, rien à côté des machins, des sites de sport, rien à côté des sites de distraction vidéo, et bien évidemment rien à côté du porno. Le problème, c'est que l'intérêt justement peut-être de ces nouvelles circulations, de ces nouveaux flux qui passent par Internet et par les réseaux sociaux, c'est que ça transforme un petit peu l'institution du politique.
Moi, c'est toujours le même exemple que je ressors. Je crois que quand on a préparé un peu la discussion, je te dis, désolé, ça va être une redite. Mais j'avais été extrêmement frappé. Alors aujourd'hui, on parle beaucoup de l'Arabie saoudite, tant mieux, parce qu'il y en a vraiment besoin. Mais j'avais été frappé, bon, parmi les régions qui se sont beaucoup développées sur Internet, il y avait l'Arabie saoudite dès le début du troisième millénaire. Et j'avais suivi en particulier une blogueuse, une petite blogueuse qui travaille à l'Aramco, je vois encore rien de révolutionnaire, une jeune femme d'une trentaine d'années aujourd'hui, elle doit avoir, qui s'appelle Kabila quelque chose, j'ai oublié, elle avait choisi le nom de tribu pour parler des gens qui étaient autour de son blog, un peu comme vous avez le bouton numérique. Et cette jeune fille, a priori, ne parle pas de politique, elle parle de ses sorties dans les malls à Riyad et ailleurs, non, à Jeddah. Elle parle de ses copines, de sa vie de jeune femme en Arabie Saoudite, mais en même temps, le fait que cette jeune femme s'exprime sur les réseaux sociaux, parle de sa vie, échange avec ses copines sur des sujets très concrets, de recherche de boulot, relations dans le travail, relations avec la famille, sa façon d'être dans l'espace public à Jeddah et ailleurs, c'est extrêmement politique. Il y a toute une chose qui se passe à ce niveau-là, et ça, je crois que c'est extrêmement important, et je pense que d'une manière ou d'une autre, avec le public, éventuellement, ce serait bien qu'on puisse l'évoquer. Alors maintenant, sur la question du bruit, là aussi, c'est une question difficile. Déjà, je crois qu'il y a un phénomène, là aussi, je serais intéressé d'entendre Samy à ce sujet. Moi, j'ai eu beaucoup, beaucoup de témoignages de copains égyptiens après la chute de Moubarak, qui sont vraiment, qui se sont mis à fuir l'espace Internet parce que ça devenait assourdissant. Ça devenait tout et n'importe quoi et ça n'avait plus aucun sens pour eux. Alors, il y a plusieurs phénomènes. Bon, il y a le fait que la parole s'est effectivement libérée, qu'il était plus facile, enfin, il restait quand même pendant un certain nombre de mois beaucoup plus facile de s'exprimer. Il y a le fait, il y a différents facteurs qui sont entrés en jeu, mais il y a ce phénomène-là qui a beaucoup joué et qui a, je crois, un petit peu dévalorisé aussi l'action qui avait été menée en amont par des gens comme Nawat et par leurs équivalents dans différents pays arabes. L'autre aspect aussi, c'est que le web s'est transformé. Le web, lorsqu'il était structuré autour des globes, des blogs, et avant autour des lettres de diffusion, puisque ça commençait comme ça, hein, Tunisie, c'était des lettres de diffusion, tout bêtement. C'est pas si bête d'ailleurs, enfin c'était l'outil de l'époque. Il y a malgré tout une hiérarchie dans les blogs, il y a des têtes de gondole, il y a des gens qui ont plus de visibilité, et quelque part il est plus facile de rechercher ou de suivre. Lorsqu'on arrive effectivement sur des quantités beaucoup plus grandes et sur des plateformes davantage proches de ce qu'on appelle aujourd'hui les réseaux sociaux, c'est beaucoup plus déstructuré, c'est beaucoup plus difficile de faire connaissance, c'est-à-dire d'arriver à trouver des signaux qui vont effectivement regrouper autour d'eux des choses. Quand en plus, on se situe dans des sociétés qui sont en train de traverser des crises compliquées, soit de changement de régime et de mise en place d'une nouvelle constitution, d'un nouveau système de partis avec des élections, etc., dans un contexte particulièrement mouvant, ça devient très très compliqué. Alors tous ces phénomènes conjugués, alors pour ne pas dire les régions comme le Yémen ou la Syrie, même Bahreïn, avec une répression féroce et un contexte de guerre. Donc l'ensemble de ces paramètres ont effectivement, je dirais pas dévalué, parce que je ne sais pas s'il fallait lui donner de la valeur au départ, mais ont considérablement modifié le système, l'écosystème de l'action politique ou de l'activisme politique à travers le net, et effectivement ces phénomènes de bruit s'inscrivent, je crois, dans ce paysage. Alors, mais plus largement, je pense que le problème se pose aussi à nos sociétés, hein. Un des grands, c'est une chose aussi que je dis dans l'occasion de rencontres comme celle-ci, c'est que quand même un des grands facteurs, me semble-t-il, les plus intéressants de ce qui s'est passé dans les événements de 2011 et la suite, c'est qu'on a quand même compris, un certain nombre de personnes qui avaient envie de le comprendre en tous les cas, que le monde arabe n'était pas forcément déconnecté, ou les mondes arabes, et les autres régions du globe qui sont dans des situations comparables, l'Amérique latine par exemple, n'étaient pas totalement déconnectés de nos propres évolutions. Les problèmes qui se posent à l'activisme politique, ou à l'activisme tout court, sur Internet, avec les techniques numériques, dans cette région du monde, sont les problèmes que se posent Podemos
en Espagne, que se pose la vie partisane en France lorsqu'on essaye effectivement de modifier ou de trouver un système de représentation politique qui corresponde un petit peu aux outils dont on dispose aujourd'hui. Donc là, il y a un phénomène qui est très important. Et de ce point de vue-là, le bruit, entre guillemets, dont souffre l'activisme sur Internet dans le monde arabe, c'est aussi le problème qu'on rencontre ici. C'est pas le tout de signer une pétition qu'on a reçue à travers Facebook ou je ne sais quoi. Ensuite, ça change quoi ? C'est pas le tout qu'on parle aujourd'hui du danger que représentent les réseaux sociaux et éventuellement la privatisation du net. Hein. On fait quoi concrètement pour lutter contre ces phénomènes-là ? Et d'ailleurs, j'ajoute juste, c'est vrai qu'il y a eu notamment des associations comme Télécomix qui avaient fait des actions pour que justement les populations soient au courant des dangers que pouvait représenter par exemple Facebook. Parce que quand vous exposez, tu l'as dit tout à l'heure, mais tu t'exposes avec ton vrai nom, il y a le nom de tes vrais, les vrais noms de tes amis qui sont là. Et ce qui fait qu'il y a des. Par exemple, le régime syrien qui en fait craquait les mots de passe très facilement. Et du coup, une fois que vous avez un opposant, y avait toute la liste de ses amis à la suite. Et donc, moi, je pense à Télécomix parce que j'ai cet exemple en tête, qui avait fait des recommandations. Et je crois que tu m'avais dit justement dans la discussion qu'on avait eue que finalement, ces recommandations, c'est pas parce qu'on dit oui, alors faites attention, cryptez, utilisez des VPN, ou que les gens vont le faire. Et... Alors, je ne sais pas si Nawat a des actions de sensibilisation de la jeunesse tunisienne aux bonnes pratiques numériques. Je ne sais pas où est-ce qu'on en est en Tunisie à ce niveau-là. Non, Nawat n'a pas, à part les articles qu'on rédige ou les reportages ou autres formats qu'on fait pour sensibiliser, mais ce n'est pas un vrai travail de sensibilisation qui est dédié carrément à sensibiliser. On avait fait ça avant la révolution et juste après, d'initiation aux techniques de contournement de la censure ou de comment crypter vos données, etc. Non, on ne le fait plus. Mais pour revenir à la problématique du bruit, que je pense qu'elle est internationale, elle ne touche pas uniquement l'activisme ou le contenu politique, elle touche tout autre contenu. Et il y avait des initiatives qui avaient essayé de filtrer. Donc on est revenu pratiquement à l'année 2002-2003, quand il y avait ce qu'on appelait les agrégateurs, feed aggregator, qui indexaient le contenu à travers le protocole RSS du site et qui permettait un suivi régulier de toutes les publications qui intéressaient le lecteur. On a vu après, je pense, 2007, 8, 9 et jusqu'à maintenant, une diminution d'utilisation du RSS. Et là, il y a une prise de conscience qu'il faut refiltrer Internet, qu'il faut créer un pare-feu par rapport à toute cette information qui nous parvient à travers les réseaux sociaux, que ce soit Twitter ou Instagram ou Facebook, et ne lire que l'information qui nous intéresse le plus, en évitant la redondance, en évitant par exemple les retweets ou les replies ou les fake news, etc. etc. Mais je pense que ce problème, il est inhérent à l'Internet actuel qu'on connaît, qui n'est plus un Internet ouvert, bien qu'il a démocratisé la forme de partager une information, mais il a rendu l'accès autoritaire. On parle maintenant de duocratie, on parle de cette autocratie de Facebook et de Google qui ont parvenu à monopoliser l'Internet. Même Google, Facebook, avec les algorithmes qu'ils sont en train d'essayer, dernièrement, le mois dernier, ils ont implémenté ou installé un algorithme dans 6 pays du monde pour exclure le flux des pages des médias citoyens, des pages des partis politiques alternatifs, des pages des organisations de la société civile qui n'étaient plus visibles sur le mur des utilisateurs de Facebook dans ces pays.
Et cette expérience, elle a eu un impact néfaste, des conséquences graves sur le cours des élections, je pense, présidentielles ou législatives dans l'un des pays, je crois, au Cambodge. Et on a vu des manifestations et des protestes contre Facebook parce que Facebook a indirectement influencé le cours des élections en éliminant du flux le contenu politique qui est citoyen, qui est alternatif, et ça a aidé à ce que le statu quo politique dans ce pays se maintienne. Idem pour les autres pays. En Tunisie, on a vu un déclin à 60% de moins dans le trafic vers tous les sites d'information. Et je pense que ce phénomène, il est global. Facebook a carrément écarté les articles, toutes les publications qui provenaient de pages. Il a favorisé, soi-disant, croyant à sa philosophie de créer une communauté globale d'amis et de familles, il favorise les articles et les publications des individus et il a exclu les publications des pages qui essentiellement sont des publications provenant de sites ou d'autres plateformes. Donc la bataille actuelle contre le bruit et contre cette dictature de Facebook, elle est contre des algorithmes, elle est contre des bots. On n'a pas uniquement un ennemi comme l'Agence tunisienne d'Internet ou comme une dictature qui contrôle ou quelques fournisseurs d'accès qui facilitent le contrôle et la surveillance. Là, on est des géants qui ont développé des algorithmes à la Frankenstein qui échappent même à la compréhension et au contrôle des développeurs eux-mêmes. On a vu des démissions de Facebook et de Google et des gens qui contestaient la création qu'ils ont aidé à créer. Donc la bataille, elle est globale. On a vu cette semaine avec la neutralité du net que la bataille, elle sera plus globale. Il y aura des fournisseurs d'accès qui vont nous empêcher d'accéder à certaines informations, à certains sites. Les sites citoyens, les sites d'opposition, les sites d'activistes verront de plus en plus de difficultés à s'asseoir, à créer une audience ou à maintenir une audience qu'ils avaient. Et voilà. Et du coup, si on revient plus précisément sur le cas de la Tunisie, par exemple, juste après les printemps arabes et du coup encore aujourd'hui, comment est-ce que tu sens la différence justement en termes de que ce soit liberté d'expression en ligne ou choses comme ça. Du coup, à part ce que tu viens de dire sur Facebook. Heureusement en Tunisie, seule la liberté d'expression est exercée, je pense, pleinement. Donc l'appareil de la censure a été démantelé carrément après la révolution. Il n'y a plus d'agences qui avaient comme responsabilité de censurer des sites internet d'opposition ou de dissidence. Ceci dit, l'appareil de la surveillance, il est toujours puissant. Donc on traque les gens, ce qu'ils écrivent, ce qu'ils publient sur Facebook. Je ne sais pas s'ils traquent d'autres moyens de communication, les SMS ou les portables ou les téléphones, je suis certain, nous sommes tous, je suis même personnellement traqué et surveillé, sous écoute. Il y a des jeunes qui sont arrêtés pour des articles ou des posts sur Facebook, principalement sur Facebook, dites défamatoires ou ont un trouble à l'ordre public, des postes qui critiquaient l'armée ou les services de sécurité. Il y avait peut-être plus d'une vingtaine de jeunes qui ont été arrêtés, puis libérés, puis arrêtés. Heureusement qu'il y a une marge d'action et de soutien à ces gens-là et qu'il y a suffisamment d'avocats pour défendre ces jeunes. Donc il y a une marge de liberté. Cette liberté, je pense qu'elle est exercée, elle est affaiblie, bien sûr. L'État profond en Tunisie, le Deep State, l'ancien régime, il est toujours là. Il surveille, il est aux aguets,
il fait partie de la coalition gouvernante en Tunisie à travers Nedel Tounes. Les médias établis, les médias dominants, traditionnels, sont orchestrés, exploités pour défendre l'intérêt de cette même élite qui profitait avant de la dictature et qui profite encore. Pour moi, les droits numériques sont plus ou moins garantis. La Constitution, à travers son article, je pense, 21, j'ai oublié, garantit l'accès à Internet, qui est devenu un droit en Tunisie. Il y a des législations qui protègent les données à caractère personnel, mais qui ne sont pas vraiment appliquées. On ne sait pas si les fournisseurs d'accès partagent les données avec le ministère de l'Intérieur ou avec l'Agence tunisienne de télécommunications qui a la responsabilité de surveiller tout ce qui se fait sur les réseaux. Donc, c'est pas encore vraiment garanti. Il y a un cadre juridique assez progressiste qui manque dans l'exercice de ces droits. Et c'est une bataille, disons, à moyen et à long terme, qui n'est pas totalement gagnée. Je le crie bien sûr à tout ce que dit Sam, mais je vois les choses un petit peu différemment. On l'avait évoqué en préparant, lorsqu'on a préparé cette rencontre. Je pense qu'on a déjà, sur une histoire encore une fois très courte, hein, de 10-15 ans maximum, on a déjà changé de paradigme. Le problème, il y a 15 ans, c'était de faire taire les voix qui étaient embêtantes. D'une manière ou d'une autre, soit de les faire taire ou qu'elles soient inaudibles, enfin de. Voilà, qu'elles ne. Mais surtout de les faire taire, de effectivement, pourchasser des activistes, fermer leurs comptes, tout ce qu'on voulait, et empêcher que les gens dans les cafés internet puissent aller raconter ce qu'ils avaient envie de raconter. Je crois qu'aujourd'hui, bon, ça existe toujours, c'est clair, et cette bataille-là n'est jamais gagnée, mais pour toutes sortes de raisons, à commencer pour des raisons économiques, je pense, on ne va pas arrêter ces flux qui font partie de l'économie aujourd'hui, il faudra. Laisser aux gens la possibilité d'utiliser cet outil, parce que c'est comme ça qu'on fait des sous. Mais en revanche, les voix qui nous gênent, ou qui gênent d'une manière générale, on ne va pas les faire taire, mais on va se débrouiller pour qu'elles soient totalement inaudibles. Je pense que c'est essentiellement là que la nouvelle technique, ou les nouvelles techniques de surveillance sont actives. Ça revient à ce que tu disais, hein, à savoir que les outils de recherche sélectionnent l'information à notre insu, que lorsqu'une information éventuellement passe malgré tout, elle soit totalement submergée par du bruit autour et des formations parallèles à côté qui n'a pas le même intérêt, qui fait qu'elle ne va pas être exploitable, qu'elle ne pourra pas germer quelque part dans du tissu social. Je pense que là déjà, on est déjà dans une société post-internet, si on peut dire, enfin post-numérique, on a déjà changé de paradigme, semble-t-il. Et justement, en fait, je crois, c'est ce que tu disais dans ton livre, ce côté où on avait l'impression qu'Internet, ça allait être un peu l'agora démocratique, et finalement, c'est pas, enfin, de ce que vous venez de dire, on peut dire que c'est pas vraiment ce qu'on observe. Ça, c'est sans doute la grande leçon de ces. Ça fait quoi, 6 ans maintenant Bon, elle était quelques-uns l'avaient plus ou moins pressenti, mais faut se remettre en arrière. Lorsque on tenait un discours, j'aime pas beaucoup le terme de cyber-optimiste, cyber-pessimiste. Les choses sont plus compliquées. On est souvent dans du gris. Enfin, on peut être optimiste pour telle chose, pessimiste pour l'autre. Mais enfin, disons que les deux grandes écoles, l'une qui dit voilà, l'internet va faire advenir un nouveau stade de l'humanité, libération, etc. Et les autres qui disent attention, c'est Big Brother qui débarque chez vous. Entre ces deux grandes lignes-là, il y a quand même beaucoup, beaucoup d'expériences qui se sont accumulées ces dernières années. Et là aussi, c'est intéressant de voir que pour une fois, ce ne sont pas les sociétés post-industrielles, ce qu'on appelle les sociétés occidentales, qui sont le laboratoire. Le monde arabe, les sociétés arabes, entre autres, c'est pas les seules. L'Inde, etc., a aussi des choses à dire, la Chine a des choses à dire dans ce domaine, mais l'expérimentation de cette grande machine numérique qui aujourd'hui gouverne le monde, elle s'est faite de
un petit peu par les périphéries. Enfin, quand on parle de Chine, la périphérie, c'est quand même une grosse périphérie. Mais il n'empêche que, voilà, nous ne sommes pas le centre de l'expérimentation, elle s'est faite aussi par là. Bon, et très clairement, lorsque l'on revient, on essaie de se replacer dans l'état d'esprit de l'hiver 2010-2011, et qu'on revient à notre situation aujourd'hui, on voit bien que, comment dire, le sentiment de méfiance ou d'interrogation, j'aime pas forcément le mot méfiance, mais disons de... On va peut-être trouver des synonymes au cours de la discussion. Il est beaucoup plus partagé qu'il ne l'était à l'époque. Je sais pas comment... parmi les choses qui, moi, m'ont beaucoup aidé lorsque j'ai essayé d'écrire ce bouquin, qui était un peu à chaud quand même, puisqu'il est paru l'hiver 2012, j'avais été extrêmement content de trouver le texte de Samy, non seulement parce que c'est un excellent texte, mais c'est aussi le texte de quelqu'un qui était dedans, qui était acteur. Et objectivement, à l'époque, vous n'étiez pas très nombreux à tenir ce discours-là. Tu parles de la lettre. Tu parles de la lettre que Samy a publiée sur le site de Nawat pour mettre un peu justement en... Alors il en parlera mieux que nous, mais disons qu'il interpellait les activistes de la région en leur disant « Attendez, dans quel contexte faites-vous cela ? Avez-vous réfléchi sur les outils qu'on vous donne ? Qui vous les donne ? Pourquoi on vous les donne ?» Et donc, enfin, bon, tu peux en parler quand même nettement mieux que moi, je pense. Sur cette question du changement des mentalités, est-ce que tu le vis de la même manière en Tunisie ? Un tout petit peu. De toute façon, il y a un sentiment que les révolutions arabes ont été, disons, instrumentalisées ou planifiées par une main étrangère qui a formé les activistes sur les techniques et les stratégies de changement politique. Vu que j'étais dedans et que j'étais moi-même un formateur des activistes arabes et que je formais des dizaines d'activistes arabes. Un formateur, pas un formateur. Non, un, oui, bien sûr. Un formateur. Donc je formais, je donnais des cours comment utiliser les nouvelles technologies pour des buts politiques. J'étais bien sûr critique par rapport au rapport qu'on avait avec certains think tanks ou certaines sociétés ou fondations américaines, parce qu'au début il n'y avait pas ça, il n'y avait pas un intérêt entre 2002 peut-être et jusqu'à le mouvement vert en Iran, il n'y avait pas vraiment un intérêt venu de l'administration américaine, comme on l'a vu avec Net Freedom Policy de Hillary Clinton, qui affichait ouvertement que l'Internet sera un outil de libération et de soutien au mouvement de changement dans le monde arabe et dans la région proche du monde arabe, c'est-à-dire l'Iran et les autres pays sous dictature. Et à ce moment, on était... trois ou quatre personnes au sein de ce réseau d'activistes arabes qui sentaient que les choses qu'on va peut-être instrumentaliser pour aider un agenda impérialiste ou américain ou autre. D'où cette motivation d'écrire cet essai ou cette lettre pour, disons, c'est un appel pour que l'activisme arabe soit un activisme politiquement conscient, indépendant des agendas occidentaux et surtout américains, et pour que les nouveaux venants, parce que malheureusement on a vu que ceux qui luttaient sur les réseaux sociaux, les activistes, les cyberdissidents, etc., n'avaient pas vraiment une culture politique. Ils n'étaient pas de gauche, ils n'avaient jamais lu Marx ou Lénine, ils n'étaient pas tiers-mondistes, ils ne connaissaient pas qui était François Fanon. Il y avait un manque de conscience politique dans le cyberactivisme arabe. Et malheureusement, on a vu des vagues d'activistes qui étaient facilement manipulables dans des agendas de domination, qu'elle soit technologique ou géopolitique ou autre. Et pour moi,
C'était la déception, c'était voire même une rupture dans ma carrière professionnelle. J'ai démissionné d'une organisation internationale parce que je croyais que l'indépendance de l'activisme arabe n'est plus acquise. Et je n'étais pas le seul, il y avait d'autres, parmi eux, il y avait Ali Al-Fateh qui est toujours en prison en Égypte. Et on était très critiques, on boycottait les conférences, même si on est invité quelque part, et on voyait Google qui a sponsorisé la conférence, et Google, il est devenu le sponsor par défaut de toutes les conférences qui parlaient de digital activism, et on trouvait ça scandaleux. On était très critiques, on prenait les micros et on critiquait même les sponsors. Donc on a fini par nous boycotter nous-mêmes. On nous invite plus à parler de politique et d'Internet parce que... Sauf au mouton. Ouais. Et est-ce que tu as l'impression que les jeunes générations qui sont arrivées un petit peu après vous, avec les événements Tunisie, etc., ont un regard sur l'outil Internet qui est différent du vôtre? Est-ce que ces jeunes générations ont plus conscience de l'éventuel... Alors, laissons la manipulation des GAFA, qui était très liée à une période, je pense. Mais est-ce qu'ils ont un regard comme ça, un petit peu plus, peut-être, nourri par l'expérience, des limites, des modes d'action qui utilisent l'outil numérique, des risques qu'il y a à mettre n'importe quoi de sa vie privée ou de son engagement politique sur Internet? Est-ce que tu sens une différence à ce niveau-là par rapport à ce oui, que vous étiez au même âge? Je sens un recul. La différence, c'est que la première génération, je suppose que c'est un phénomène global, les gens qui ont, utilisé les outils numériques à la fin des années 90 et durant les années 2000, ils croyaient aux valeurs de l'Internet, d'un Internet ouvert, d'un Internet qui protège les données à caractère personnel, d'un Internet qui permettait un hacking qui essaie de protéger, que ce soit les données des serveurs ou les données absorbées par les serveurs, qui croyaient à un web de partage, qui luttait contre le copyright, qui croyait à un copyleft ou à des licences genre Creative Commons, qui refusait de donner les données à des sites comme Facebook et Twitter, donc ils hébergeaient leurs données dans des sites propres et des serveurs qu'ils maîtrisaient. Cette génération, elle a petit à petit disparu. Là, maintenant, les activistes, ils installent des cookies pour, sous prétexte de comprendre l'audience et le lectorat, on se permet d'installer des cookies qui, en fait, espionnent l'utilisateur pour savoir la moyenne d'âge, le genre, la localisation, tout ça, pour nous, c'est interdit. On n'a pas le droit éthiquement d'espionner le lecteur de nos sites. Même les IP adresses sont effacées avec un script. Donc on a cette responsabilité de protéger le visiteur de nos sites parce qu'on a, grandi dans un environnement qui n'était pas sécurisé. On protégeait l'identité de celui qui critiquait Ben Ali parce qu'il risque d'être arrêté. Cet environnement n'est plus, malheureusement. Il n'y a plus cette conscience politique de l'Internet. C'est un usage plutôt de consommation, c'est un usage mercantile. C'est un rapport inconscient avec la technologie qu'on est en train de voir et c'est malheureux. Alors, du coup, peut-être sans transition, on va passer la parole à la salle s'il y a des questions. Je voudrais faire une observation et vous poser une question à tous les deux.
L'observation, c'est par rapport aux révolutions arabes, ça m'a renvoyé à la Révolution française, qui a été, que j'ai, enfin, j'ai lu l'histoire de notre pays, qui m'a montré, fait comprendre que cette révolution a été récupérée. Donc quand vous parlez de... Je me suis demandé si la révolution arabe n'allait pas l'être... Les révolutions n'allaient pas l'être également. La question que je voulais poser, c'est celle à travers donc, les dérives technologiques et aussi la récupération de ces technologies. D'ailleurs, parfois on confond avec les technologies, les techniques sont des moyens, comme il y a des méthodes, mais c'est différent des méthodes. Et là, la technologie peut devenir une finalité. C'est gentil, je ne suis pas spécialiste de la Révolution française. Oui, je ne suis pas spécialiste de la Révolution française, mais dans les idées que je défends, ou que j'essaye d'exposer dans le bouquin qu'on mentionnait tout à l'heure, c'est le parallèle entre cette période du monde arabe qu'on appelle la Nahda, la Renaissance, c'est comme ça qu'on le traduit en général, à la fin du 19e, début du 20e, première décennie, décade de décennie du 20e siècle. Il se passe dans le monde arabe à ce moment-là un phénomène intéressant, c'est celui de ce qu'on appelle la première mondialisation, c'est-à-dire que, alors ça ne concerne pas le monde arabe, puisque par définition la mondialisation c'est mondial, c'est, le monde est à ce moment-là fini, on a terminé la découverte de l'ensemble du globe, il y a quasiment des communications en temps réel, on vit dans le temps réel, c'est-à-dire que le télégraphe couvre l'ensemble de la planète, on sait à peu près, à quelques heures près, un événement, lorsqu'il se passe quelque part, on est au courant, on calcule les distances, on sait de quel moment on peut voyager de Londres à l'autre bout du Transsibérien, par exemple, puisqu'on a des horaires avec des machines à vapeur qui vont effectivement calculer les itinéraires en fonction de programmes, de toutes sortes de... c'est planifié. Et on a, dans le monde arabe, à ce moment-là, l'introduction, beaucoup plus tardive qu'ici, de l'imprimerie, disons, à grande échelle. Et on a effectivement le surgissement de nouvelles idées politiques, de nouvelles manières de regarder le monde, de se sentir arabe d'ailleurs à l'époque. Alors c'est compliqué, se sentir musulman, se sentir arabe, se sentir égyptien, tunisien, il y a toutes sortes de variantes. Mais grosso modo, on voit bien qu'il y a un lien entre les transformations techniques, le contexte global et le ressenti des gens dans leur identité et dans leur pratique politique au pluriel. De mon point de vue à moi, Internet, et là on sort un petit peu des analyses qu'on a, on passe un petit peu à un regard un peu plus surplombant, produit des événements du même type. Vous allez voir que je vais quand même répondre à votre question. Il produit des événements du même type en ce sens que les nouvelles technologies de l'information sont en train de produire effectivement de nouvelles formes de représentation qui, à mon sens, vont se traduire d'une manière ou d'une autre dans les attitudes et dans les comportements et les pratiques politiques. Et c'est en ce sens-là que je crois qu'on ne peut pas parler, comme vous avez évoqué cela, des deux aspects de votre question, en fait. Aussi bien la récupération qui suit une révolution que, la dérive technologique, si j'ai bien suivi la deuxième partie de votre question. Bon. Tragiquement, l'histoire, c'est une suite de récupération. Les révolutions se terminent ou se poursuivent souvent par des processus. C'est des moments un peu exceptionnels dans l'histoire qui ensuite se stabilisent. Mais de toute façon, je pense que regarder les événements de l'année 2011 et suivante dans le monde arabe sur le seul plan des transformations politiques abouties ou non, en général non abouti, quelques exceptions près, ça n'est pas rendre justice à la profondeur des transformations qui sont en train de travailler le monde arabe comme il travaille d'autres sociétés. Sauf que dans le monde arabe, c'est peut-être plus dramatique ou plus violent ou potentiellement plus puissant qu'ailleurs en raison du contexte même de cette région. Celui qu'a évoqué tout à l'heure Samy en parlant effectivement de la manière dont cette région est soumise aux dictates de la géopolitique internationale de par ses richesses minières et en particulier pétrolières.
Et puis l'autre aspect du fait que cette région, effectivement, n'arrive pas à faire se superposer différentes manières de se penser elle-même, c'est-à-dire que la dimension arabe de son identité, c'est pas la seule, hein, mais la dimension arabe ne trouve pas de traduction politique. Il n'y a pas de projet fédérateur, il n'y a pas l'équivalent d'une Union européenne qui serait pour le monde arabe. Enfin, on peut imaginer toutes sortes de formules politiques, mais on voit bien que, de ce point de vue-là, il y a un décalage dont cette région continue à souffrir et pour lequel elle ne trouve pas de solution. Je ne sais pas si c'est une solution à long terme, d'ailleurs, mais enfin, c'est une autre discussion. En tous les cas, de par ce contexte, et le fait aussi que les jeunesses de ces régions sont particulièrement nombreuses, que ces régions également vivent, disons, sur des systèmes sociaux, des représentations sociales relativement traditionnelles, où, disons, la partie masculine de la société conserve un certain nombre de positions dominantes, mais qui sont quand même en train de s'effriter par les progrès de l'éducation, etc. Bon, cet ensemble de contextes, cet ensemble de facteurs fait que la petite chose qu'on appelle le numérique ou Internet, je ne sais pas si c'est une petite chose, mais enfin, cet événement historique produit dans ce contexte particulier, à mon avis, des effets déflagrateurs beaucoup plus importants qu'ailleurs. Ou déflagrateurs, ou on peut espérer qu'une déflagration soit aussi créatrice et puisse produire des ordres politiques intéressants, des ordres, pas des désordres, mais des arrangements politiques qui puissent être intéressants. Donc voilà ma manière à moi de répondre en disant, c'est pas simplement sur la destinée, le cours politique des événements qu'il faut se fixer. À mon avis, ce qui est devenu visible, bien que ça existait, on l'a dit tout à l'heure en amont de la discussion, depuis longtemps, tous ces mouvements de protestation, de réclamation pour un mode de vie plus démocratique, etc., une autre façon de gouverner la société, de partager les responsabilités au sein du corps social, etc., existait, mais toutes ces demandes qui ont été particulièrement visibles à partir de 2011, dans une conjoncture bien particulière dans laquelle le numérique a joué, à mon avis, elles vont continuer, je serais surpris, en tout cas j'espère pour cette région, qu'elles vont continuer à s'exprimer. Et de ce point de vue-là, on va revenir un petit peu à d'autres choses qu'on a dit. Pour moi, le numérique est presque un épisode, c'est pas fondamental. C'est une technique qui, pas plus que le téléphone ou l'électricité, ne sera appelée à disparaître rapidement, et elle va être utilisée, elle va prendre des formes politiques dont on n'imagine pas du tout ce qu'elles seront encore. C'est beaucoup trop tôt, hein. Il n'y a même pas 15-20 ans d'Internet à grande échelle, donc on ne sait pas comment les choses vont s'organiser. Alors, il y a dans votre question un point important, c'est effectivement la domination de la technique. Moi, je m'étais intéressé à cette question, je pense que Samy a plus d'informations que moi, mais c'est vrai qu'on avait vu à un certain moment dans le monde arabe un certain nombre d'initiatives qui étaient intéressantes, soit de grandes sociétés locales, qui reproduisaient effectivement des modèles internationaux, mais qui les reproduisaient avec des acteurs locaux, hein, je pense à l'équivalent d'un Yahoo arabe, je cherche son nom, Maktoub, ça s'appelait je crois en Jordanie, etc. On a vu un certain nombre d'initiatives de ce type-là, aujourd'hui non. Aujourd'hui, elles ont disparu, c'est vrai. Il y a eu même les prémices ou les premières graines d'une industrie de hardware dans le monde arabe. Bon, là aussi, je crois que c'est totalement disparu. Mais encore, là encore, le monde arabe n'est pas exceptionnel. La France est dans une situation de dépendance technologique totale vis-à-vis de ces questions-là. Alors effectivement, en aval, il y a le software qui peut être apporté par tel et tel acteur local, mais en ce qui concerne les tuyaux, et on le voit bien sur cette question de la privatisation du net, il y a aujourd'hui une domination globale sur laquelle aucune région, pas le monde arabe plus que les autres, n'est en mesure de proclamer son indépendance. On va prendre une deuxième question. Bonjour. Si j'ai bien compris, vous avez dit que les discours politiques d'opposition, les discours politiques alternatifs, étaient aujourd'hui noyés par les algorithmes des acteurs numériques, alors même qu'au moment des événements et des révolutions arabes, ils étaient encouragés et mis en avant. Donc est-ce que j'ai bien compris? Et si oui, pourquoi? Et
Si oui aussi, quelle autre forme et mode d'organisation il reste aujourd'hui pour les discours d'opposition pour se faire entendre et être audible aujourd'hui? Franchement, je n'ai pas très bien compris la première partie. Je suis désolé si vous voulez répéter. J'ai cru comprendre que vous aviez dit qu'aujourd'hui, les discours d'opposition étaient noyés par les algorithmes, de Facebook, par exemple, alors qu'au moment des révolutions arabes, c'était des discours qui étaient encouragés, qui étaient mis en avant. Donc, est-ce que c'est le cas? Et si oui, pourquoi? Non, je n'ai pas dit que lors de la révolution, ces discours étaient encouragés par Facebook. Dans le temps, Facebook n'avait pas cet algorithme qui excluait les publications des pages ou des groupes, etc., pour ne favoriser que les publications des individus. Donc, ce qui est récent et nouveau, c'est cette politique de Facebook de ne favoriser que les publications des individus. Et je ne suis pas certain que cet algorithme a été architecturé avec une volonté politique. Je pense que c'est une dérive de l'algorithme. C'est parce que selon l'ingénierie du développement des algorithmes de Facebook, il y a des centaines d'ingénieurs qui travaillent sur un seul algorithme et chaque ingénieur ou chaque groupe d'ingénieurs travaille sur une couche. Et ces informations sont d'après ceux qui ont démissionné de la section algorithme de Facebook. Et donc il n'y a pas une interaction entre les différentes couches et les différentes phases du développement des algorithmes. Donc on ne savait pas où cet algorithme pouvait mener l'expérience utilisateur sur le site de Facebook. Donc je ne pense pas que c'est une, disons, comme ils disent en anglais, c'est une exclusion de la politique by design, c'est-à-dire qu'ils ont pensé, réfléchi en faisant le design à ce résultat. Je pense que c'est un accident de développement de l'algorithme et je crois que l'objectif est de pousser les pages à une monétisation pour que leur contenu soit visible dans le wall des utilisateurs. Donc c'est une approche mercantile qui pousse de plus en plus les pages et les sites web d'information à payer pour que leur publication soit visible sur Facebook. Moi, je suis peut-être un petit peu plus pessimiste que Samy à ce niveau-là. En 2011, on parlait de Facebook comme le second, le troisième plus grand pays de la Terre par son nombre de citoyens, entre guillemets, enfin, d'utilisateurs en l'occurrence. C'était déjà un peu inquiétant, mais bon, disons qu'on était encore dans une logique mercantile, comme il vient de le dire. Depuis quelques semaines, quelques mois, Facebook, visiblement, offre ses services au gouvernement américain et tend de plus en plus à supplanter la puissance publique américaine, y compris aux USA. Donc là, on n'est plus simplement... Je ne pense pas non plus que ce soit pensé ou voulu comme tel, mais il y a une logique de développement qui fait que, effectivement, disons, l'univers géopolitique dans lequel on a été éduqué, élevé, celui des États souverains, des fonds souverains et des politiques de développement industriel, ça correspond à la question de la dame un petit peu avant, ce sont c'est un paradigme qui est en train de s'effacer. On est en train d'arriver dans un mode de gouvernement du monde où effectivement, on le sait déjà, le budget de Facebook est le plus important que celui de la plupart des États de la Terre en termes de puissance financière. Mais ça va au-delà. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils sont en train de s'arroger un certain nombre de prérogatives qui étaient autrefois les prérogatives des États ou des institutions internationales. Mais bon, c'est un débat là qui dépasse beaucoup celui du monde arabe. Mais encore une fois, c'est intéressant de voir qu'on ne peut plus vraiment parler, me semble-t-il, des questions que pose ou qui se posent à l'Internet dans le monde arabe, que pose l'Internet au monde arabe ou qui se pose à l'Internet dans le monde arabe, sans évoquer des enjeux globaux qui rejoignent les préoccupations des citoyens d'ici et d'ailleurs. On va prendre une troisième question.
Oui, moi je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce que vous avez dit sur le monde arabe qui n'a jamais pu être ensemble, etc., etc. En 2009-2010, je suis très souvent au Moyen-Orient, en 2009-2010, le roi Abdallah arrive en avion avec l'émir du Qatar à Damas, fait des grandes embrassades avec Bachar, et voilà que, vu la crise économique qu'il y a eu dans les banques en 2008, a une idée, on va faire un billet de banque garanti sur le pétrole. Je l'ai le billet, si vous voulez le voir. Bon. Et voilà bien que Kadhafi, on est en 2010, Kadhafi dit, avec mon or, je vous garantis le billet. Et voilà bien que Kadhafi envoie une fusée russe pour que toute l'Afrique ait le téléphone. Et Kadhafi paye les dettes du Centrafrique. Vous voyez ça dans les journaux français, américains ? Non. Vous vous rendez compte, un billet de banque garanti sur le pétrole qui faisait que le dollar était foutu. Oh, voyons. Alors là, vous avez Freedom House et les autres qui ont distribué des téléphones portables, des caméras très chères. Mais ça vaut cher à des jeunes qui n'avaient pas les moyens de s'en acheter. Et on s'est arrangé pour faire sauter ces pays qui allaient tout d'un coup foutre le dollar en l'air. Madame Clinton a invité le roi Abdallah à venir se faire opérer en Amérique. Et puis, vous savez, vous n'allez pas bien, on va vous mettre quelqu'un à votre place, Ben Salman, etc., etc. Vous voyez ça dans les journaux ? Et puis, quand Abdallah est rentré, il est mort. Et puis, on a choisi quelqu'un qui était très pro-américain. À chaque fois que le monde arabe a essayé de se regrouper, on fait tout pour le faire tomber. Et vous remettez en question, on peut remonter dans le temps... Le drame du monde arabe, c'est qu'il a eu le pétrole. Et puis, là, Kadhafi, vous vous rendez compte ? En plus, il pouvait tenir l'Afrique. L'Afrique et le monde arabe ? Vous vous rendez compte ? Oh, voyons. Non, je vous rejoins sur ce constat. Je suis d'accord avec vous. Enfin, pas forcément sur le récit que vous avez fait, mais sur l'analyse globale. Quand je dis, ça ne me fait pas plus plaisir qu'à vous, même, je crois que je partage votre déception de ce point de vue-là. Objectivement, aujourd'hui, l'unité arabe n'est pas... Les Qatar avaient fait un examen. Près de 60% des Syriens étaient pour Bachar. Même le Parti communiste, une grande partie, qui n'était pas d'accord. Alors moi, je lui ai dit, mais dites donc, Hollande, on était presque en 2011, c'est même pas 20%. Ah oui, mais nous sommes les dominants, eux, c'est les dominés. Non, je vous accorde bien volontiers ce point. Est-ce qu'on a une question supplémentaire ? Essaye de faire question courte, réponse courte, comme ça plus de gens peuvent s'exprimer. Oui, moi je voudrais réagir un peu à ce qui a été dit, parce qu'on a l'impression qu'on parle de quelque chose qui concrètement est faisable, ou concrètement est porté par des populations, ou concrètement est en, où il y a eu des tentatives de la construire qui n'a jamais eu lieu. C'est pas vrai. Je veux dire, la question de monde arabe et cette... on retrouve mille et une lectures par rapport à ce qui pourrait être. Il y a eu des tentatives de la mise en place de la Ligue arabe, il y a eu des tentatives, mais il n'y a jamais eu réellement des tentatives d'aller vers la construction de quoi que ce soit. Par contre, politiquement, on retrouve des courants nasériens qui voulaient mettre en place la nation arabe. Et d'un autre côté, il y avait des gauches arabes qui n'étaient pas du tout dans ça, mais qui se considéraient comme appartenant à une même civilisation, ayant des points communs, une culture en commun, et surtout sur le plan linguistique, c'est-à-dire l'appartenance linguistique. Mais il ne faut pas croire que les populations arabes aujourd'hui, dans les différents pays arabes, je dis bien les différents, il n'y a pas un monde uniforme avec des... se reconnaissent exclusivement là-dedans. Et moi, je voulais revenir sur la notion des révolutions arabes. Moi, j'ai un souvenir que les premières manifestations qui avaient eu lieu, et d'ailleurs à Benghazi, au mois de janvier par les femmes, les mères de prisonniers, et en Égypte, ont été au même moment relayées dans deux autres pays africains. Il y a eu la même chose, c'est-à-dire au Sénégal, il y a eu un début de mouvement, et au Burkina, il y a eu un début de mouvement. Et le catalogage de révolution arabe a empêché l'émergence et réellement le développement de ces mouvements-là. Parce que ce qui a profité
ce qui a profité, je pèse bien mes mots, et qui a permis un peu les avancées qui ont eu lieu, c'est aussi la médiatisation et la sortie de l'ombre. C'est-à-dire qu'en France, moi j'ai fait partie de cette opposition tunisienne qui était implantée sur Paris, on a fait le pied de grue en bas de Radio France pendant des jours et des jours pour qu'ils en parlent. RFI a commencé à en parler au bout de 8 jours et au bout de 15 jours pour les autres médias. Et ce qui s'est passé, c'est que une fois qu'on a commencé à lever un peu cette omerta qui pesait sur ce territoire qui était la Tunisie, on a commencé à parler. Mais par contre, par rapport à l'Afrique, c'est resté complètement... je veux dire, il n'y a que les gens qui étaient sur les réseaux sociaux qui savaient ce qui s'y passait. Un tout petit peu RFI a tenté, il y a eu quelques tentatives, et on a étouffé complètement cela. Donc on voit bien qu'il y a eu quelque chose un peu... Le régime tunisien a sauté, l'Égypte, dans la foulée, était prise dans le même activisme et la même envie de faire bouger les choses, avec des sociétés civiles dans les deux pays présentes et fortes, et en capacité de relayer, parce qu'il a fallu aussi, ça s'est pas fait par les réseaux sociaux, ça s'est fait par des hommes et des femmes dans la rue, qui dans beaucoup ont laissé leur vie. Et en Afrique, on a décidé que quelque part, on a décidé d'arrêter les choses à ce niveau-là et de ne pas reposer la question des rapports Nord-Sud. Parce qu'en fait, ça posait réellement, ça remettait en cause toute l'organisation à l'échelle du monde et de ce rapport Nord-Sud et des pouvoirs et des mainmises des multinationales sur tous ces pays du Sud. Au-delà de la question du pétrole, ou de la question mais c'était aussi sur les questions des ressources et de la répartition des ressources dans le monde et sur l'ensemble. Et là, moi, on fait rarement cette jonction et on en parle quasiment pas, et on voit qu'on a relégué le débat sur ces questions-là par rapport à l'Afrique, par exemple, à d'autres sphères, et on l'a exclu et sorti. Et je trouve ça a été dommage. Est-ce que le fait qu'il y avait du lien entre des blogueurs arabes, le fait qu'il y ait des liens entre les journalistes, des partis de l'opposition, c'est-à-dire les partis communistes et autres, les partis de gauche, avaient des rapports historiques, les partis nationalistes arabes avaient des rapports historiques avec les autres dans d'autres pays arabes, ont empêché cette émergence, ou est-ce que c'est du fait des médias seulement, ou est-ce que parce qu'on a été, nous, dans l'incapacité, tunisiens, algériens, égyptiens en tout cas et autres, de nous reconnaître dans ce qui se passait en Afrique et de drainer ça aussi? C'est une question que je pose par rapport à ça. Pas du tout spécialiste de l'Afrique. De mémoire, il me semble que c'était un petit peu plus vers avril-mai qu'on a vu des choses en Afrique, mais je peux me tromper. Ma façon de vous répondre, ça serait de dire qu'on est en présence devant des types de mobilisation, c'est peut-être trop fort, de formation, de courants politiques, qui sont de nature différente. Le discours que vous tenez, que je partage, hein, grosso modo, me fait penser à effectivement une certaine analyse des mouvements de libération, de décolonisation qui ont lieu dans le Maghreb et en Afrique, avec effectivement des mouvements parallèles, hein, et des alliances politiques entre différents mouvements sociaux de décolonisation à cette époque. Mais grosso modo, ces mouvements quand même me semblent très différents de ce qui s'est passé à l'époque d'Internet, et qui fait un petit peu la spécificité quand même des mobilisations politiques à l'époque d'Internet, c'est que c'était quand même globalement des mouvements, disons, de type pyramidaux, des mouvements de type relativement organisés, structurés, selon les conditions de la politique telle que se faisait au XXe siècle. Il me semble qu'une des caractéristiques, malgré tout, des soulèvements arabes, des événements de l'année 2011 dans le monde arabe, c'est que, dans un premier temps, en tous les cas, je serais intéressé d'entendre Samy sur cet aspect, ce sont des mouvements qui se sont organisés différemment. Ce sont des mouvements qui se sont organisés, alors pour utiliser un mot un peu savant, de façon réticulaire, en réseau, par la base, qui se sont diffusés un peu comme des nappes, et qui, dans certains contextes, ont donné lieu, effectivement, ont rejoint des mouvements d'organisation, des formes d'organisation,
Tant d'autres ne l'ont pas pu pour toutes sortes de, dans des contextes extrêmement différents, soit de répression, soit de, enfin voilà, chaque contexte étant particulier. Mais comment dire, la dynamique propre à ces mouvements me semble très différente. Autant ces alliances, par exemple, dans le continent africain, dans sa partie profonde et dans sa frange méditerranéenne, correspondent, me semble-t-il, à des modèles d'analyse politique du siècle passé, autant avec Internet, avec les mobilisations auxquelles on a assisté dans ces années-là, on est sur des modes d'action politique qui sont différents et qui rendent plus difficile, je crois, le passage des frontières et des traditions culturelles, linguistiques et historiques propres aux différentes régions. Quand même, il y a quand même un phénomène étonnant quand on traîne sur les réseaux sociaux arabes, en arabe, quand je dis arabe, ils peuvent être à New York ou dans la banlieue parisienne, c'est qu'ils expriment, ils utilisent quand même un même véhicule. Ils peuvent utiliser de l'anglais, du français, de l'espagnol, etc., mais grosso modo quand même, ils partagent, on est sur la journée de la langue arabe, il faut quand même le signaler, ils partagent malgré tout une langue, et c'est quand même très important. Parce qu'une langue, je raconte des évidences, hein, mais bon, c'est ce qui permet de penser, c'est ce qui donne des représentations du monde particulières. On ne dit pas les mêmes choses, on ne les formule pas de la même manière en anglais, en français ou en arabe. Et il y a quand même quelque chose qui est apparu, me semble-t-il, c'est ce que j'appelle moi les arabités numériques, car je crois qu'il y a effectivement une forme d'unité arabe, mais qu'elle ne se fera pas par les sommets des dirigeants. Elle se fera, je pense, si elle doit se faire, historiquement, davantage par les pratiques des utilisateurs autour de ce nouvel instrument qui est mis à leur disposition, pour autant qu'il le reste. Je prends peut-être une dernière question du public. Désolé, j'avais vu monsieur en premier. Bonjour et merci beaucoup. Mon français n'est pas très bien. J'étais en train de faire un projet de démocratie participative en Tunis de mars jusqu'à mars 2011, jusqu'à environ peut-être 2012, un moment par là. Puis, en fait, c'est une très belle conversation et puis de très belles commentaires depuis la salle. Et je pense qu'on a une vue assez fragmentée de l'Internet. Et puis je trouve une très belle coïncidence qu'on est à un événement de moutons numériques. Et parce qu'il ne faut pas qu'on oublie que l'Internet était développé comme d'abord pour une arme militaire. Donc la réflexion stratégique de l'utilisation de l'Internet pour l'intervention, pour l'accélération, comme disait Samy, par les oppositions. En fait, sous un jeu échiquier, on peut tout imaginer, les différents preneurs de parti, comment ils vont bouger, etc. etc. Google était... Il y avait un jeune Égyptien qui travaillait chez Google, qui était appelé pour aller en Égypte lors de la révolution. Donc, est-ce que c'était pour aider l'opposition à se construire ou est-ce que c'était pour mieux se positionner la vue des pays étrangers de comment maintenir la structure de pouvoir, un peu comme ce que vous avez dit au Cambodge. En Tunis, ce que j'ai remarqué moi-même en Tunisie, les Américains avaient déjà donné beaucoup de formations à tous les partis politiques au niveau national, régional, local, de comment utiliser l'Internet, comment s'organiser, comment manifester. Donc, ma question, c'est une question ouverte, parce que puisqu'on est tous moutons, est-ce que avec cette accélération informatique, on devient tous des moutons numériques sans le savoir. Et puis on a peine à voir du mal ailleurs. Parce qu'un mouton n'arrive pas à penser comme un loup. Un mouton pense comme un mouton. Donc il dit, ah, non, l'algorithme, c'est pas ça. C'était une coïncidence à côté. Donc c'est ma question. Merci. Bon, comment ? Alors il y a des moutons noirs et des moutons blancs. Pour être franc, je ne crois pas que, revenant sur le cas du
du mec qui travaille pour Google, je pense que vous faites allusion à Well Ronin. Je ne pense pas qu'il a été envoyé par Google pour faire une mission révolutionnaire. Well Ronin, le connaissant, n'était pas vraiment politisé. C'était un ingénieur qui n'avait aucun rapport avec la politique. Il était un animateur d'une page parmi plein d'autres. Mais c'est les médias américains qui ont vraiment donné de l'importance à ce détail que ce mec soit un ingénieur chez Google pourrait expliquer cette théorie de complot qu'on aime vendre facilement. Je suis totalement opposé à cette théorie de complot. Je ne pense pas que les événements qu'on a vus et fait partie de ces événements ont été orchestrés par une main. C'était un cumul de frustration, de repression, de lutte. C'était une tradition d'opposition par les partis politiques, par les forces vivantes des pays arabes. Certainement, les pays étrangers ou les puissances mondiales ont souhaité exploiter ou pirater ce mouvement. Ils ont su le faire, ils ont su pirater quelques luttes, ils ont détruit quelques pays, certainement. Mais de là à dire que Mohamed Bouazizi en Sidi Bouzid s'est fait tuer parce qu'il a reçu un ordre de l'Amérique, vas-y, brûle-toi, ou que les manifestants ont eu l'ordre de l'ambassade américaine de descendre à la rue et d'affronter les balles réelles parce qu'ils ont reçu un ordre ou ils étaient formés quelque part, je crois que la théorie de complot, elle est stupide, elle est paresseuse. Elle est incapable de voir la complexité des luttes et des acteurs et des facteurs qui ont fait ce qu'on a vu depuis 2011. Pour le mouton, je sais pas. Du moins, ce que je fais ou j'essaie de faire, c'est d'être conscient. Avoir une conscience politique de l'Internet et des outils numériques. Je pense que c'est un outil très dangereux, contrairement aux autres outils, comme l'électricité ou le CD ou autre. C'est un outil qui peut infiltrer notre intimité, qui peut nous espionner, qui peut envoyer ses données à des centres d'intelligence et d'analyse de données, qui peut nous reconnaître facialement quand on est dans un magasin, qui peut suivre nos mouvements, qui peut tracer nos rapports et notre réseau familial et amical et autres, et de là influencer le cours de notre vie. Donc c'est je crois que outre tous les aspects positifs de l'Internet que nous avons aimé partager et combattu pour, je crois que dans l'état actuel, c'est un monstre qu'il faut comprendre, qu'il faut bien maîtriser et contrôler et combattre les designers et les architectes qui ont fait ce monstre. Donc la lutte, je pense, elle est avec ces grandes puissances, plus grandes que les États, comme Google et Facebook, que la bataille future doit se poser. C'est tout de même, le temps passe vite, parce que je pense pas que quelqu'un comme Samy, probablement je le suis, c'est pas pour me mettre en jugement ou à ne pas m'associer à ses paroles, jamais on aurait tenu ses propos il y a 10 ans, je crois, pas avec la même noirceur. Je pense quand même que les expériences se sont beaucoup accumulées. Et pour répondre à votre intervention tout à fait intéressante, c'est quand même un mouton noir. Donc c'est pas le mouton qui suit tous les autres, il est noir. Et justement, si vous vous intéressez à ce qu'on fait au mouton, vous pouvez aller voir notre site web, donc www.mouton-numérique.org, et comme ça vous aurez toute la programmation à venir. Et merci beaucoup pour toutes vos interventions, et surtout merci à vous, merci Samy, et merci.